permettre de faire progresser nos actions comme agence responsable de l'ODD 4, l'UNESCO va soutenir cette initiative et se positionner à la tête des efforts pour le PPE. Les pays se réunissent et unissent leurs forces pour renforcer le cadre d'action pour l'éducation 2030. Les enfants ne peuvent pas attendre, donc unissons nos forces pour protéger leur avenir. Merci beaucoup et je me réjouis d'entendre les discussions de cette réunion. Merci. Merci Madame Giannini de nous avoir donné un aperçu de nos travaux d'aujourd'hui et d'ouvrir ce dialogue. Vous avez replacé nos travaux dans un contexte plus vaste. À présent, je vais donner la parole à Boren Chakroun, directeur de la division des politiques et des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie à l'UNESCO. Il va présenter la première session. Quelques années, il y a quelques mois, avec où nous avons un processus qui a impliqué les organisations internationales et les différents acteurs. Tous ces acteurs ont été investis dans l'élaboration de cette stratégie de partenariat mondial. Aujourd'hui, nous aimerions entendre votre retour, vos commentaires, les points de vue des ministres, des responsables d'agences. Quel est votre point de vue sur les étapes à suivre pour faire progresser cette stratégie? Il faut aussi préciser que le document que nous avons fait circuler est le fruit d'une coopération entre beaucoup d'agences et d'États membres, plusieurs régions, plusieurs niveaux de revenus. C'est donc un texte qui a une vocation universelle et qui s'adresse à plusieurs inquiétudes, une diversité de besoins également. Plusieurs éléments que je souhaite mentionner avant de donner la parole à Émilie et nos autres collègues. Tout d'abord, cette stratégie doit être mise en œuvre, ce qui signifie que nous ne nous intéressons pas seulement aux objectifs, nous nous intéressons aussi aux mécanismes, aux moyens de mise en œuvre. Deuxièmement, cette stratégie est axé sur les missions, ce qui signifie que nous n'avons pas d'objectifs génériques. Nous aimerions approfondir les missions qui doivent être conçues pour mettre en œuvre la stratégie. Quelles sont les réflexions qui permettront la réalisation des objectifs de la stratégie? Troisièmement, notre stratégie sur le PPE est inclus dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie. Il faut donc garder à l'esprit l'intégralité de l'ODD 4 et aussi l'intégralité de l'architecture de l'éducation que l'UNESCO cherche à faire avancer. Il faut faire le lien entre les politiques, les financements, les mécanismes de suivi et d'évaluation. Nos discussions d'aujourd'hui doivent donc être incluses dans ce contexte plus large que Mme Giannini a rappelé. Et puis, pour finir, nous espérons obtenir des retours et des réactions sur les piliers clés et les domaines de cette stratégie. Nous aimerions savoir ce que vous attendez pour la suite, quelles sont les prochaines étapes, comment garantir que nos discussions d'aujourd'hui soient concrétisées demain. Merci beaucoup.
Then can I kindly invite Emily Je vais à Vargas présent Baron inviter Émilie on the process Vargas-Barrón that we have come à through s'exprimer to prepare the draft sur le strategy. processus de rédaction de cette Thank stratégie. You very much, Kantol. Merci beaucoup. It has been an enormous Guanchun. Pleasure and a C'est tremendous un amount of work to work on the global partnership strategy. Sur cette stratégie de partenariat mondial, c'est aussi un travail considérable. Je rappelle la réunion de décembre, du 16 décembre qui a été l'occasion de beaucoup d'idées passionnantes et de suggestions venant du monde entier. Major strategies. Cette réunion we came out avait débuté with avec five. Trois stratégies principales and et on a UNESCO fini par arriver à cinq five stratégies. Excellent et puis l'UNESCO a assemblé cinq équipes, des spécialistes excellents et des acteurs très impliqués dans le PPE they were very du monde entier in se sont réunis. And were ils ont travaillé dur clearly aware of the needs et in the world. Tout le monde comprenait très bien les enjeux et l'urgence de la situation. Nous avons donc travaillé sans relâche de nombreuses heures d'arrache-pied de nombreuses semaines afin de fournir des éléments pour cette stratégie. Le résultat est très impressionnant. Ce document fait 25 pages. Il peut encore être amélioré, bien sûr. Il y a également un résumé exécutif de 7 pages environ qui résume les points essentiels de la stratégie. Nous avons diffusé ce document avec les participants de cette réunion et nous espérons que le dialogue d'aujourd'hui sera très enrichissant. Nous nous réjouissons d'entendre vos idées et nous voudrions tout particulièrement entendre les suggestions qui portent sur le contenu mais aussi sur la mise en œuvre. Our assistant director general Giannini has presented the five strategies. I'll go through simply the wording very quickly. Harness evidence for action and rights. Leverage data, monitoring and evaluation for accountability. Mettre à profit les preuves pour l'action et les droits. Deuxièmement, exploiter les données, le suivi et l'évaluation pour la responsabilisation. Troisièmement, développer l'accès, l'inclusion, l'équité et la qualité. Fourth is strengthen Quatrièmement, policy, governance, renforcer la politique, la gouvernance, le financement et and la sensibilisation. Fifth, et enfin, cinquièmement, galvaniser la coordination et la coopération internationale. So today we look forward to your ideas. Aujourd'hui, we really nous nous réjouissons will, d'entendre vos points de vue. Nous espérons que vous pourrez concerns, nous partager avec nous vos inquiétudes principales like et les domaines que vous aimeriez approfondir you et nous vous remercions chaleureusement de nous accorder votre temps et votre soutien pour cette stratégie de partenariat mondial. Nous savons que c'est un moment très difficile pour tous et prendre le temps de travailler avec nous aujourd'hui, c'est formidable. Nous sommes reconnaissants. Merci. Merci, Emily. Merci, Emily. Now, can I kindly invite Princess Je vais à présent inviter la princesse Laurentine à formuler certaines lignes directrices, certaines idées sur les raisons de sa présence aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup Guanchol, merci à mes amis et collègues de l'UNESCO. Excellence, Boren, Émilie, Stéphania, vous avez tous fait des présentations très intéressantes. Vous avez expliqué l'urgence de la situation, donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Je suis reconnaissante à l'UNESCO d'avoir choisi un thème aussi important et d'avoir choisi de se pencher sur le PPE pendant cette situation de crise. Je voudrais simplement répéter deux mots qui exigent un engagement différent aujourd'hui de notre part. Nous sommes déterminés, c'est ce qu'a dit Boren, mais aussi Stéphania et Émilie. Nous ne voulons pas que cette stratégie reste simplement théorique. Nous voulons qu'elle soit concrétisée par des actions. Et dans tous les pays du monde, il faut que cette stratégie soit réalisable. Et nous sommes tous les co-auteurs de cette stratégie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons organiser un véritable dialogue sur les engagements vis-à-vis de cette stratégie.
Deuxième mot, l'engagement envers le contenu de cette stratégie. Il faut mettre au point une équipe de résultats, responsable des résultats, pour mettre en œuvre cette stratégie. Le risque, c'est que l'on se perde dans les détails. Il faut assez de détails pour que cette stratégie soit concrète, mais en même temps, on ne veut pas que cette stratégie perde son objectif stratégique. Donc, il faut trouver le juste milieu. On comprend tous l'urgence et les ressources nécessaires pour atteindre nos objectifs. C'est pourquoi je m'engage envers ce processus. Je crois que c'est une démarche qui a été bien expliquée. Et je me réjouis de travailler à vos côtés. Après, prioritaire de cette stratégie afin que c'est un défi pour moi peut-être être la personne la moins appréciée à l'issue de cette session parce que j'ai une petite cloche à remettre de dépasser le temps en partie. Donc, je vais parfois faire preuve d'impolitesse. Lorsque le temps sera écoulé, je vais faire sonner ma cloche. Et j'espère que vous me pardonnerez si c'est absolument que l'on avance, que l'on couvre tout le contenu prévu aujourd'hui. Et j'espère que vous respecterez également, si vous voulez allumer votre caméra, n'hésitez pas à le faire. Cela nous permet d'avoir l'impression de vite. Il y a 80 participants dans cette salle et chacun a sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à John Lombardi. Du premier axe de notre stratégie. John, 2 minutes pour réactiver ma caméra, s'il vous plaît. Merci. Je présente d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue économique, les premières années sont importantes pour la santé, le développement et l'apprentissage. Ce qui fonctionne et dans quelles circonstances? Toutes ces données, c'est que 250 millions d'enfants sont exposés à un risque et la Convention des droits avancée trois priorités stratégiques. D'abord, nous pensons qu'il est tardé les données. Nous n'avons pas suffisamment exploité les données et ces données continuent à augmenter. Donc, nous souhaiterions croître nos capacités. Il s'agit aussi de renforcer les capacités des centres de formation des enseignants pour utiliser les données en temps réel, situs de recherche de par le monde. Afin de pouvoir véritablement, il s'agit de mobiliser le soutien international et bilatéral pour la recherche, place un centre d'information internationale pour savoir ce qui fonctionne. Troisième nouveau champion qui porteront nos voix. Cela veut dire créer des réseaux de champions dans chaque pays. En effet, ils peuvent représenter la voix de toute l'équipe qui a travaillé avec moi sur cet axe-là de la stratégie. Merci. D'avoir recours à la clochette, vous avez planté le décor de la discussion. Nous sommes très reconnaissants de ce que vous avez. La deuxième partie, le deuxième axe. Merci beaucoup. Je suis Zulta de
ces 10 dernières années, puisque en matière de données, notamment des échelles pour mesurer les données, ainsi que des questionnaires et des essais. En effet, grâce à l'inclusion de ces échelles, de ces indicateurs, de ces deux ménages au niveau national ou alors dans des programmes internationaux. Nous savons également que de grands systèmes d'information et de gestion des systèmes éducatifs, ce qui certains services partant de l'eau et de l'assainissement jusqu'à l'éducation. Mais malgré ces progrès, le PPE et DPE qui ne sont pas suffisamment examinés, disponibilité des données et le fonctionnement des nombreux systèmes. Afin de répondre à ces lacunes persistantes, nous proposons de prévoir la réalisation de l'ODD, des ODD, portant sur le PPE et le DPE pour opter, c'est de développer des systèmes de suivi et d'évaluation de ces questions. Merci Claudia. Nous reviendrons à ces points tout à l'heure. Yoshikaga de l'UNESCO, merci. Allez-y. Merci beaucoup de me donner la parole. Bien qu'il faut des services EPPE inclusifs pour tous, il y a encore des déficits des enfants en effet n'ont pas accès à l'enseignement pré-primaire ou n'ont pas accès à des services EPPE. De nombreux enfants et la COVID-19 a accentué les inégalités et avec quoi de l'apprentissage à distance et donc du point de vue de la qualité. Nous avons Solette et qui porte sur les espaces publics et non publics. Il y a aussi, mais aussi le problème du renforcement des capacités des enseignants, des éducateurs et des parents. Nous avons donc proposé trois priorités stratégiques. D'abord, il s'agit d'élargir l'accès, répondre à lire, renforcer les politiques et la mise en œuvre, développer des données qui permettent d'appui, bâtir des systèmes de soutien qui sont inclusifs et robustes en utilisant les de renforcer les effectifs et le personnel dans ce domaine, ce qui veut dire former et assurer des conditions de travail pour ces personnels. Et l'objectif serait également d'avoir un observatoire de EPPE. Troisièmement, le développement et l'apprentissage de la l'examen des programmes et améliorer les pratiques en matière d'évaluation des enfants, de normes dans les services d'un point de vue d'équité et d'inclusion. Enfin, il faut développer l'âge de la petite enfance et faire la promotion des ressources éducatives libres. Merci beaucoup. Merci Yoshi. Quatrième, là, allez-y pour le quatrième. Merci beaucoup. Que le PPE est considéré comme étant un privilège plutôt qu'un droit. Et nous savons qu'il y a, d'un point de vue d'accès financier, physique, notamment à des services défauts, un soutien holistique et que la coordination entre les acteurs et les différents niveaux et échelles
dû à... Nous souhaitons donc appeler à renforcer les cadres de gouvernance. Au niveau, il faut veiller à une hiérarchisation des priorités et notamment avoir une année gratuite d'enseignement. Troisièmement, nous aspirons à un lancement de l'EPPE et des autres services de DPE de l'UNICEF ainsi que tous les contributeurs qui nous ont permis de mettre au point ces résultats. Merci. Formidable. Vous avez été très discipliné et en même temps tant d'informations riches. Maintenant, Mercedes Mayorga sur le cinquième axe. C'est la coordination et la coopération internationale. Un mouvement innovant doit être mis en place et renforcer les politiques au niveau régional, national et international afin d'assurer l'inclusion, l'équité et la qualité qui inclut tous les acteurs et toutes les institutions. Est nécessaire compte des droits des enfants qui sont indivisibles et inaliénables. La coordination générale qui a pour objectif les acteurs qui travaillent ensemble pour les petits enfants. Et c'est pourquoi il faut renforcer les politiques de réglementation par le biais de la coordination au niveau France. Deuxièmement, il faut renforcer la collaboration multisectorielle et à multiples parties prenantes au niveau national. Faudra faire la promotion ou approbation de la décennie des Nations Unies pour l'éducation et la protection de la petite enfance. Il faudra également défendre les droits de tous les enfants
modératrice écrire dans le chat. Puis-je prendre la parole? Dit son Altesse, et puis ensuite je vous présenterai avant de vous donner la parole. Je vais présenter notre premier intervenant. Continuez à le faire dans le chat, c'est ce qui va enrichir notre vice-ministre de Maurice, Nila Devi. Encore une fois, je suis désolée, mais au bout de 2 minutes, je ferai sonner cette petite vitesse. Tout simplement, nous devons avancer. Merci. Si nous souhaitons avancer dans ce domaine, c'est que nous avons besoin, nous avons appris à Maurice. Lorsque nous avons une volonté politique et un engagement au plus haut niveau, eh bien, les choses bougent à volonté. Deuxième point, il nous faut un journal pour éclairer le secteur de ressources. D'aider les enseignants par ailleurs, nous pensons qu'il faut également s'intégrer pour ces premières années de 0 à 8 ans, plutôt que ce soit fragmenté. C'est souvent différentes responsabilités. On a la santé, l'éducation, l'intervention au niveau de la petite enfance. L'idée, c'est d'avoir une politique intégrée aux premières années de nos enfants. Merci. Merci beaucoup. Merci. Parole au ministre de Canada. Je vous invite à maintenant faire part de vos réflexions plus au niveau politique. Monsieur Simpson, merci, merci Votre Altesse Royale. Ne vous inquiétez, je suis véritablement honorée de participer à ce dialogue. Nous devons nous mobiliser afin d'assurer le meilleur des débuts et des départs à nos citoyens les plus jeunes. Nous devons, Maria, et mobiliser la solidarité entre tous les pays et toutes les régions. Comme vous le savez, le Canada jouit d'un système de l'éducation, de la coordination, de la réglementation et du partage des expériences. Et notamment depuis le début de la pandémie, c'est ce qui nous a permis de répondre à ces difficultés de la manière la plus coordonnée possible. Nous savions que, je dirais, pour une victoire qui est accessible, c'est là qu'il faut commencer. Ce n'est qu'avec une collaboration entre les secteurs, que nous échangeons une communication, que nous pourrons répondre aux difficultés créées par la pandémie et avancer vers la réalisation de le développement
教育改革和发展规划纲要，确定了到2020年基本普及学前教育的目标，先后出台了两个重要的政策性文件，按照扩资源、调结构、建机制、提质量的发展思路，以县为单位，实施了若干期学前教育行动计划。二是明确政府责任。 部门分工协作，我们确立了国务院统一领导、地方政府履行主体责任的体制。政府呢，主要负责建设、投入、师资和监管，大力发展公办幼儿园，积极支持和规范民办幼儿园的发展，教育、财政、建设、卫生等部门根据职责分工。 密切合作，共同推进。三是加大财政投入，实施呢重大的项目。各级政府单独列支学前教育预算，制定深究经费标准，中央财政设立专项资金，10年累计投入1500多亿元，建立了资助制度。各级政府以总计投入。 542亿元，资助家庭经济困难幼儿达到4700万人次。经过10年的努力，中国在院幼儿增加了1800万人，增长的比例是62%。3到5岁儿童毛日月率从10年前的56.6%提高到现在的85%。 实现了原定规划的目标。下一步，中国政府将继续加大投入，着力在提高学前教育普及普惠水平上下功夫，推动落实全球2030年议程。谢谢大家。 Thank you very much. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à Zana Jacob, qui représente ici l'OMS. Je suis ravie de vous compter parmi nous. Merci d'allumer votre caméra. Nous nous réjouissons d'entendre votre contribution de 2 minutes sur la question de la priorité politique accordée à cette question et le soutien politique. Merci beaucoup,
à son Altesse Royale, votre Altesse. Malheureusement, je ne peux pas allumer ma caméra. Ah, ça fonctionne. Votre Altesse, la princesse Laurentine, Excellence, Madame Stefania Giannini, chers collègues, mesdames et messieurs, les données sont claires. Le développement de la petite enfance est essentiel pour résorber les inégalités et permettre aux enfants de développer leur résilience face aux adversités. Et pourtant, beaucoup de pays sont en difficulté pour mettre en œuvre le programme global qui maximise l'action des parties prenantes et des mesures. Le résumé exécutif de ce document est très clair et cela permet de mieux comprendre la stratégie de partenariat mondial qui doit surmonter ces défis. Il faut définir des buts clairs communs. La coopération avec nos partenaires a permis de développer le cadre de soins attentionnés, mais également des cadres de développement de la petite enfance. Nous sommes ravis de voir que ces questions figurent dans la stratégie de partenariat mondial. Les gouvernements doivent être les leaders de ces actions. Ils doivent mettre en œuvre des politiques publiques de EPPE. La volonté politique est essentielle, mais les données sont également essentielles si l'on souhaite mieux comprendre le développement de la petite enfance en matière d'opportunités, de soins apportés aux enfants, entre autres. Je me réjouis d'annoncer que l'OMS travaille sur ces questions pour contribuer à obtenir des données probantes. Enfin, j'aimerais souligner l'importance du rôle du secteur sanitaire pour faire progresser ces questions. En effet, le développement de la petite enfance commence à la conception ou même avant. Les premières bases fondamentales de l'apprentissage tout au long de la vie se produisent dans les foyers, au sein des familles. Le secteur de la santé est en contact avec les soignants, les tuteurs, les jeunes enfants lors de leurs premières années. Le secteur de la santé doit donc jouer un rôle essentiel. Pour conclure, Votre Altesse Royale, je réitère l'engagement de l'OMS sur ces questions et sur la question de la stratégie du partenariat mondial. Nous approuvons cette vision globale qui comprend les trois piliers de la couverture de santé universelle face aux urgences et le fait de promouvoir une population plus saine. Nous pouvons avancer ensemble. Il faut que les enfants soient en bonne santé. Merci. Merci beaucoup. C'est formidable d'entendre l'engagement de l'OMS à nouveau sur ces questions. C'est très important, notamment pour des problèmes multidisciplinaires, comme Stefania et Boren l'ont très bien dit auparavant. Avant de passer aux sessions en sous-groupe, je me rends compte que nous avons dépassé le temps imparti, donc il va falloir être bref lors des sessions en sous-groupe. Mais c'est un honneur pour moi que de présenter le directeur des programmes de l'UNESCO UNICEF, Monsieur Sapira. Excusez-moi pour mes erreurs de prononciation. Je vous remercie de votre présence. Vous pouvez partager vos points de vue. Merci beaucoup, Votre Altesse Royale, Excellence, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Afin de faire progresser le programme de l'EPPE ensemble, il faut que tous les acteurs soient coordonnés et jouent leur rôle et se complètent. Je vais formuler trois suggestions de méthodes qui pourraient renforcer les initiatives lancées par l'UNICEF et beaucoup d'entre vous d'ailleurs au cours des dernières années. Tout d'abord, il faut continuer à soutenir les pays dans leurs efforts pour accorder la priorité à l'EPPE. Dans leur plan sectoriel éducatif, il faut inclure au moins un an d'éducation pré-primaire de qualité dans la budgétisation et la mise en œuvre des cycles éducatifs. Il faut aussi établir une vision commune pour l'éducation de la petite enfance entre les donateurs, les partenaires et les gouvernements pour définir des priorités de manière complémentaire afin que le financement et l'assistance technique soient disponibles là où c'est nécessaire. Deuxièmement, il faut absolument permettre aux acteurs et aux dirigeants de pays
d'utiliser la boîte à outils d'accélérateur de PPE qui permet aux pays de renforcer leur politique de PPE dans les processus de planification de l'éducation. Grâce à une approche consultative et inclusive, je suis ravie de vous annoncer qu'une version en ligne de cette boîte à outils sera disponible en février. Et puis, enfin, étant donné les défis et les opportunités posées par la pandémie de COVID-19, il faut redoubler d'efforts pour obtenir des données et faire avancer le plaidoyer afin que les investissements en matière de PPE soient accrus. C'est très important, surtout dans le contexte actuel où les pays sont en train de repenser leurs services de protection sanitaire et d'éducation face à la pandémie. Il faut accroître le rôle des parents et des familles qui sont les premiers soignants, les premiers éducateurs des enfants dans les foyers. Ils doivent donc être soutenus comme il se doit. Merci, je vous rends la parole, Votre Altesse. Merci beaucoup. À nouveau, cette contribution était extrêmement riche. Je vois que plusieurs d'entre vous ont communiqué sur le chat également. Je vous en félicite. À présent, je donne la parole à Boren qui va présenter les sessions en sous-groupe que nous allons diriger. Je vous retrouve dans quelques instants. Nous allons passer à un moment très important dans le cadre de notre journée, de notre événement aujourd'hui. C'est un moment où on souhaite avoir un engagement avec les ministres et les représentants des agences pour avoir d'une part leur feedback et leur réaction par rapport à la stratégie, mais surtout d'écouter quels sont les éléments qu'ils considèrent importants et quelles sont les priorités qu'on doit définir de la stratégie. On a parlé tout à l'heure des quick wins ou bien quels sont les résultats que nous pouvons atteindre rapidement. C'est important qu'on ait une vision sur quels sont les programmes phares que nous devons mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et quelles sont les contributions de chaque partenaire. On est dans une stratégie multipartenaire, intersectorielle. C'est très important de savoir et d'écouter quelles sont les propositions de contribution et d'engagement de la part des ministres, de la part des gouvernements et également des agences. C'est un élément important pour notre discussion et je souhaite que nous ayons le temps d'engager cette discussion dans les sessions parallèles. Très rapidement, et je vais passer à la langue anglaise, we will be splitting in two groups. Nous allons vous diviser en deux groupes. Un groupe sera modéré par la princesse Laurentine, un autre groupe sera modéré par moi-même. Cette division est organisée automatiquement par Zoom. Nous aurons environ 40 minutes de discussion et ensuite nous reviendrons à la plénière. Nous sommes légèrement en retard. Les sessions en sous-groupe nous permettront d'aborder les deux questions que j'ai soulevées. Tout d'abord, quelles priorités et initiatives stratégiques seraient les plus pertinentes pour atteindre les objectifs de la stratégie? Deuxièmement, quelles sont les priorités de votre pays et quelles contributions de votre pays peut-il apporter pour atteindre les objectifs de la stratégie? Voilà les deux questions que nous aimerions aborder aujourd'hui. J'espère que nous pourrons faire rapport à la plénière avec nos résultats concrets et nos suggestions. Je regarde mes collègues qui s'occupent de la logistique. Je crois que nous allons être automatiquement redirigés vers les sessions en sous-groupe. Oui, tout à fait, c'est confirmé. Très brièvement, nous allons lancer une petite vidéo de la part du ministre de l'Éducation français. Après cette vidéo, les ministres pourront être redirigés vers les sessions en sous-groupe. D'accord. Nous allons donc d'abord regarder la vidéo du ministre de l'Éducation français. Merci. Madame la directrice générale, chère Audrey Azoulay, Madame la directrice en charge de l'éducation, chère Stefania Giannini, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous aujourd'hui pour évoquer le thème de l'éducation et de la petite enfance. La France en a fait sa priorité et avait d'ailleurs été à l'initiative en 2018 du colloque « Éducation et protection de la petite enfance, berceau de la cohésion sociale ».
Ce colloque avait été organisé dans cette enceinte, conjointement avec la Commission nationale française pour l'UNESCO. En 2019, lors de la présidence française du G7, j'ai également tenu à faire de ce sujet un axe capital. La scolarisation dès le plus jeune âge constitue en effet un enjeu central de nos sociétés. Comme la recherche, et notamment les sciences cognitives le démontrent, les premières années de la vie sont décisives pour l'enfant. En dépendent, nous le savons, son épanouissement cognitif et personnel et le développement de ses capacités globales. C'est pourquoi j'ai souhaité, par le vote d'une loi, que l'instruction soit rendue obligatoire dès 3 ans en France. Il s'agit à la fois d'une mesure d'élévation du niveau général, mais aussi de réduction des inégalités, car les deux vont de pair. Et cette mesure consacre l'importance de l'école maternelle dans notre système éducatif. Parce qu'à travers l'acquisition d'un vocabulaire riche, l'apprentissage de la vie à plusieurs, la maternelle est une école du langage, une école de la vie. Et pour accompagner cette politique, nous avons fait évoluer la formation des professeurs en maternelle en cohérence avec les spécificités de ce niveau. Nous avons renforcé le taux d'encadrement des élèves par classe. Ils sont déjà 20 000 en grande section de maternelle à évoluer au sein des classes limitées à 12 élèves. Nous analysons l'impact de ces mesures au travers du Conseil scientifique de l'éducation nationale, en lien d'ailleurs avec des amis de différents pays. Je pense par exemple à nos amis québécois qui ont lancé une expérimentation similaire avec l'accueil des enfants dès 4 ans. À l'heure où l'éducation est fragilisée partout dans le monde en raison de la crise sanitaire, nous devons collectivement nous mobiliser, et tout particulièrement dès le plus jeune âge. Dans ce renforcement de nos efforts communs au bénéfice de la petite enfance résident beaucoup de solutions à nos défis actuels et futurs. Je salue les efforts de l'UNESCO pour concrétiser cette prise de conscience globale et pour favoriser l'échange de bonnes pratiques au niveau mondial. Il s'agit là d'un appui majeur pour l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 4, celui d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que notre action internationale dans cette période difficile pour le monde et où il y a un risque de catastrophe éducative à cause des confinements des écoles et à cause des fermetures des écoles, eh bien dans une période comme celle-ci où nous devons nous battre pour que les écoles soient ouvertes, pour que tout simplement les enfants s'épanouissent, il est très important qu'il y ait des rencontres comme celle-ci. Donc merci à vous tous et à bientôt. I believe we can move to the breakout session. Thank you. Nous allons donc passer aux sessions en sous-groupe. Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité d'entendre le message du ministre de l'Éducation, M. Blanquer. J'espère que les sessions en sous-groupe seront très interactives. Princesse Laurentine, je crois que les ministres et les dirigeants d'agences sont entre de bonnes mains. Je vais me charger de ceux qui sont dans ma session et on se retrouve dans 40 minutes. Merci, à tout à l'heure. Dear princess, the two sessions have started, so you can start whenever you want. Chère princesse, les sessions ont commencé, vous pouvez commencer quand vous le souhaitez. Formidable. Discussion. If you can turn on your cameras, because then we can really have a proper dialogue. And otherwise, it's a little bit more difficult to manage an open discussion. I would appreciate seeing you. And you can either raise your hand or put in the chat that you want to react. And I will manage between the three screens. Where everyone is. So I'd like to actually divide the discussion in two elements, because we can talk about the content of the strategy all day long. But I actually want to say, let's take 15 minutes on strategic priorities, so on the content. And I'd like to use most of the time to actually say, how are we going to move forward? How do we make sure that, I believe that this can only happen if there is an agile action team put in place, an action team that requires resources, because who else is going to be the owner of this strategy?
We all know that all the agencies and all the governments, they all have, we all have our structures, everyone has crisis to manage. So I believe, we believe there is one action team that goes across and that works really agile. I would love to have the discussion with you about resources, how are we going to organize this so that we're going to make it happen. So really make the focus of this discussion, the crisis element of it, that we start tomorrow, if we say. So after 15 minutes, I will close the discussion about the content of the strategic priorities. So who can I, who has a thought? And also I'm going to be a little bit tough on people giving long statements. Let's build on each other and be and do what we say we want to do, namely collaborate. And collaborate is give each other the floor. And this is not about showing how much you know, it's about building our thought process together. So who can I, on the question of the strategic priorities, is there anything that has been said for you that stands out or that you feel has not been mentioned as an important priority? Who can I give the floor? And just raise your hand. Yes, Sheldon Schaefer. Thank you. I just want to make a quick note. It seems to me that one of the important issues to look at even more is the impact of COVID-19 on the ECE subsector. The sector is probably the one that is most at risk because of the pandemic. And I think it would be important to move ahead quickly in terms of trying to analyze specifically with data how many ECD centers are not going to reopen, how many ECE professionals are not going to come back to the profession, how many children who should be enrolled or should have re-enrolled are not getting back into the ECD programs. I think we need data like that to be able to go to governments and say, look, this sector is highly at risk. You have to do much more about it. By the same token, I think we can come up with very useful, good lessons about how some countries have reopened ECE programs and early learning programs more successfully, perhaps, than programs for children of older ages. And I think we need good, better examples of how that works in the best possible ways. Thank you. Great. So indeed, using the crisis situation to collect that data to also instill the sense of urgency at government level. Very useful thoughts. What other thoughts about other issues and again, things that have not been mentioned that you want to add and emphasize? Who can I give the floor? What do you feel it needs to be highlighted? I see Nathalie Vicarini. Do you have anything to add that you feel is important and not to maybe re-emphasize, but something that you stands out for you? Oui, tout à fait. En France, nous avons un enfant sur cinq qui vit sous le seuil de pauvreté. Ces écarts se sont creusés pendant cette catastrophe sanitaire. Et nous avons travaillé depuis un an en lien avec le ministre Blanquer qui vient de s'exprimer, mais aussi le ministère Solidarité Santé pour travailler dans un cadre interministériel, exactement sous l'égide de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Nous avons évidemment testé des approches que notre association a en particulier mis en place pour lutter contre les inégalités de naissance, d'autant plus dans le cadre de cette catastrophe sanitaire, parce qu'on se rend compte que l'isolement est très important des professionnels de la petite enfance, mais aussi des parents. Le stress est monumental. Et les enfants sont atteints dans leur développement. On sait combien le stress est délétère pour le développement du cerveau de nos enfants et dans le cadre de leurs futurs apprentissages. Donc, nous avons mis en place une stratégie en quatre temps. Dans un premier temps, partager des connaissances en neurosciences avec lesquelles nous avons des datas solides et des études scientifiques majeures qui nous démontrent tout l'intérêt de tabler et de bénéficier de ces approches.
dans ce premier temps, nous partageons la connaissance scientifique à jour avec toute la communauté éducative. Il est question de santé sociale, il est question de messages très précis sur le développement de l'enfant que nous partageons de façon ludique, très accessible, innovante avec les parents, les grands-parents, les professionnels de l'enfance, de l'éducation nationale, mais aussi tous les acteurs de la société civile et toutes les associations à l'échelle d'une ville, d'un département ou d'une région qui accèdent à la démarche. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de mettre en place une dynamique d'amélioration continue des pratiques. Et la troisième, c'est évidemment de mesurer l'impact. Alors, les impacts, ils sont importants. Les premiers impacts sont importants. C'est la mobilisation de tous autour de ce sujet qui devient enfin un vrai sujet de société. C'est comment ce jeune enfant est au cœur de l'évolution de notre société. On réduit le taux d'absentéisme des professionnels qui travaillent dans la protection de l'enfance, dans la petite enfance et à l'école. On réduit les violences et les maltraitances faites aux enfants. Ça veut dire qu'on a changé le regard sur l'enfant. Et il y a une vraie progression du sentiment d'appartenance à une communauté éducative apprenante parce qu'on a partagé ce langage commun dans cette première étape. Voilà. Et évidemment, à la fin de la journée, on vient regarder si on a agi sur les inégalités de naissance. Donc, si je comprends bien, et je ne vais pas tout résumer, mais si je comprends bien, vous avez vraiment, comment vous avez fait, peut-être dans quelques mots, comment vous avez engagé et fait en temps de crise, vous avez maîtrisé d'en faire ce langage commun. And I'll quickly summarize. Yes. I won't give a long summary, but what I find interesting is one, you immediately took it to a holistic approach. You engaged other departments and linked it to poverty and social isolation and health. Looked at the impact on the surrounding, but also on the caretakers who around the child. And finally, what I find really interesting, you managed to engage very quickly in the times of crisis, developed a shared language, which allowed you to really mobilize. En quelques mots, comment vous avez fait ça, d'aller dans un temps de crise, trouver ce langage commun? C'était la pauvreté? Est-ce que c'était la crise? Quelle était la façon magique? Alors, l'introduction était la lutte contre la pauvreté. Mm-hmm. Nous avons, avant la crise, à partir de 2017, partagé ces connaissances scientifiques dans des formats très, très interactifs et très accessibles avec toute la communauté éducative en France. Nous avons réalisé un train de contenu petite enfance et parentalité. Nous sommes allés dans les villes, nous sommes allés vers les populations les plus en difficulté, sur les terrains les plus sensibles, les plus vulnérables, rencontrer les acteurs de la protection de l'enfance, les parents, toute la communauté éducative au cœur des villes. Et nous avons partagé ces messages très simples. Donc, les parents, les professionnels, tous ces acteurs sont venus recevoir ces messages, mais en étant acteurs du changement. C'est-à-dire qu'ils ont joué avec ces messages, ils ont vécu une expérience avec nous. Ça a duré 3 ans et on est arrivé au moment de cette catastrophe sanitaire où ce langage commun avait été partagé en France et en Belgique. Et, okay. et on s'est donc réunis autour de ce langage commun. Et maintenant, il y a une vraie conscience de ces difficultés et que finalement, jusqu'à présent, en tout cas en France, mais dans d'autres pays également, il n'y avait pas conscience que le développement du tout petit était un vrai sujet de société. Yeah. Okay. Can I will ask. Thank you very much. I can speak in English if you prefer. C'est comme vous voulez, but for the other participants, vous avez tellement de choses à dire, donc un grand merci. Et Monsieur Blanquet est un grand ami et grand merci pour ça. So who can add to this notion of taking it
into framing it, what I hear say, it's also framing it in a broader perspective of societal development, including issues like poverty, which we also know go up. Who would like to add to the thoughts shared here today? Anshu. Thank you very much. And I wanted to go to maybe the low-income country perspective, where often we have health extension workers or agriculture extension workers. I don't know whether in the education sector there are also extension workers, but we do do follow-up outreach to the homes. And I think this is maybe an area where we can have multi-sectoral collaboration, whereby extension workers who go out to the field, do house-to-house visits, etc., can include and follow up on education issues as well. Have children gone to school? Are they inscribed, et cetera, et cetera? I just wanted to kick off with the issue, and I think it's following up on what was just said, that education starts at home, and it's very important to involve the parents and the community. And so it's important, I think, also that we improve parenting skills and that we teach them and inform them about the need to stimulate child learning from day one, from the day that the child is born, actually, and that this early stimulation is going to be very important for their brain development before they actually go to preschool at the age of 3 and then primary school at the age of 5 or 6. So I think we really need to look at the trajectory, and that's why our Deputy Director General highlighted this issue, that in the first 3 years of life, it's very often the health sector that engages most with these young children and can really contribute to that learning education thing. And also that I think the extension workers really bring in that component of equity. That is one of the components in the strategy. But I think equity is going to be so important as well. We want every child to have the same learning opportunities at life, the same start at life, or the same opportunities at the start of life. And learning is such an important part of that. So I think that's also very important to see how we bring that element into it and make sure that all children can be brought into that learning environment. Thank you. Thank you. So as I predicted, I think that these are really good highlights. And the one I would like to now turn to the second part of the discussion, because time is really going fast. And the one thing that I am struggling with in my mind, and then I'm always quite conscious of when we develop these really important and ambitious global strategies, is what does this strategy need to do that we don't have now? And I hear good practices in different countries, but what is this strategy going to add to what we don't have at the moment? And I don't mean in content, but what, for example, either in France or in low-income countries, or I don't know if Canada is still here, what is this going to add? Because that will really give us a focus of what that action team then actually needs to do. Anshu, you mentioned political commitments, but we've been talking about political commitments for years. Can we make that, and maybe make that then, how do we do that? What is missing at the moment? And make that as practical as we can, and not stay in generalities. What does this mean, political commitment? Is it that funding is committed? Is it that they understand, like Madame Di Carini mentioned, make it a conscience and conscious element of society, that they realize the importance? If we don't invest now, we're going to have a crisis in 20 years. Can we make that tangible? What are we going to do? What needs to happen to get that political commitment? And let's make it not general, but concrete steps. Is that we, for example, we don't just engage with the ministers of education, but what we need to start engaging with ministers of finance who hold the budgets? Is it that we need to create an understanding, and that when we go and talk to different ministries, they don't say, oh, go to the minister of education because it's not my portfolio. What is it that we need to do as a priority? Who has thoughts about that? You have a lot of hands up. Can you see them? No, unfortunately not. So Natalie, if I went down the line, Natalie,
Oui, tout à fait. On a eu cette discussion à l'OCDE ensemble il y a 4 ans. On a eu cette chance en France, mais ça peut être le cas dans d'autres pays, de bénéficier d'une délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté. On a saisi cette occasion, je co-présidais la commission Petite Enfance à l'époque, et on a saisi cette occasion pour dialoguer avec le ministre Blanquer, avec la ministre qui était Agnès Buzyn, mais aussi les ministres et secrétaires d'État chargés du handicap et des finances, bien entendu. Et c'est dans ce dialogue interministériel qu'on a réussi à engager ce dialogue autour des 1000 premiers jours. Nous avons remis ce rapport avec Boris Cyrulnik il y a quelques mois, et ça présage des futures réformes en France. Et ces réformes, elles sont le fruit de cette discussion interministérielle. Et l'angle était la lutte contre la pauvreté, puisque en France, on compte un enfant sur cinq qui vit sous le seuil de pauvreté aujourd'hui, oui. Et qui s'est encore creusé avec la crise sanitaire. Mais en effet, idéalement, un ministère de l'enfance, de la périnatalité avant la naissance jusqu'à l'école, serait extrêmement favorable à l'accompagnement de l'investissement social au plus tôt. Now we all know that putting interministerial committees. Nous savons tous que de mettre en place des comités interministériels, c'est difficile. Les budgets, en effet, sont organisés par ministère. Il faut que ce soit un programme national, vous l'avez dit. Il faut que ça fasse partie d'une approche intégrée de l'avenir, avec une vision d'avenir. Mais il faut, dans la stratégie, peut-être dire que une interministérielle, c'est un pas en avant important, de trouver dans chaque pays une manière d'organiser cette institution interministérielle entre affaires sociales, affaires économiques, le financement de l'éducation, et de voir tous ces éléments ensemble. Cela pourrait être un pas important. Stéphania. Merci, merci Votre Altesse. Rapidement, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur les quick wins ou les objectifs que l'on peut atteindre rapidement, je pense que dans cette situation, il serait utile et possible de collecter des données et s'appuyer sur cela pour informer de meilleures politiques. Et cela a trait également à ce que fait la France, notamment ce qui a été fait au niveau national. L'UNESCO a publié des chiffres intéressants, notamment sur le risque de décrochage scolaire. Ce sera donc des chiffres que nous aurons définitivement après la crise, mais ce que l'on pourrait faire, c'est se concentrer sur la composante données. Et je pense que dans notre équipe à l'OCDE, nous pourrions continuer justement à travailler à l'élaboration des données. Donc, ce que vous dites, c'est que pour la collecte des données, nous pourrions nous inspirer des bonnes pratiques, voir ce que font la France et d'autres, collecter les données, compiler les données et puis les transmettre à ces plateformes interministérielles afin de pouvoir ensuite prendre des décisions en fonction des données. En effet, c'est une stratégie importante. Surtout en nous concentrant sur l'impact de la crise, dit Madame Giannini. Et dirions-nous que c'est en ayant les bonnes données que nous pourrons rompre ce cercle vicieux qui fait que ce n'est pas une priorité politique? Je ne sais pas si d'autres ont un avis sur la question. Malheureusement, je ne vois pas les mains levées. Sorry. Livia Latta de l'UNICEF a levé la main. Souhaitez-vous prendre la parole? Allez-y. Merci, Votre Altesse. Je souhaitais
mettre l'accent sur le financement, la question du financement et toutes ces questions sur lesquelles nous parlons, qu'il s'agisse des données. Est-ce que l'on m'entend? Oui, tout à fait. Allez-y. Je pense que pour la galvanisation, pour marquer l'élan pour l'augmentation du financement national, ainsi que pour obtenir une augmentation de la part consacrée à l'éducation de la petite enfance, il faut savoir que l'UNICEF a déjà travaillé à l'allocation d'un pourcentage de notre budget de l'éducation à l'EPE. Cela peut être ce type de référence d'indicateurs de base que l'on peut avancer pour faire en sorte que tous les enfants aient accès à ces services. Il s'agit également d'un renforcement de capacité du personnel éducatif, les travailleurs de première ligne, certes, mais également les accompagner et ne pas oublier le rôle joué par les parents. Il faut les soutenir, il faut renforcer les capacités des parents et des familles, il faut être en mesure d'avoir une approche sur tout le cycle de la vie, surtout que les enfants se développent rapidement au cours de ces premières phases. Il faut donc outiller les parents, faire en sorte qu'ils puissent travailler, remplir ce rôle, bien entendu dans le cadre de la crise de la COVID, mais également de manière générale. Et sur cet élan politique, je pense que cette plateforme pourrait jouer un rôle important, notamment pour que cette allocation financière devienne une réalité. Tous nos programmes en matière de données dépendront finalement de l'allocation des ressources. Formidable. On me dit qu'il ne reste plus que 4 minutes avant de revenir en plénière où nous pourrons poursuivre ces délibérations pour apporter également nos réflexions. J'ai Ariana Lagrange et Dr Velasquez Cobiela. Je vous inviterai à être bref, s'il vous plaît, car très bientôt, nous serons envoyés dans l'autre salle de nouveau. Bonjour, je vous parle d'Alberta du Canada, du ministère de l'Éducation. Je souhaitais également ajouter notre part de réflexion. Nous avons des programmes pour les enfants qui ont entre 0 et 8 ans, surtout pour les enfants à besoins spéciaux ou particuliers. Et nous souhaitons avoir une approche intégrée avec des services qui réellement enveloppent l'enfant et qui répondent aux besoins non seulement de l'enfant, mais également de la famille dans son intégralité. C'est très important et c'est un élément qui a été mis en exergue pendant la pandémie. La numérisation tout au long, ou plutôt la numérisation sur l'ensemble du territoire est inégale. Malheureusement, le son de l'oratrice n'est pas très bon. L'interprète est désolée, mais la fin des propos de l'oratrice n'était pas audible. Oui, nous vous avons perdu à la fin, mais nous avons bien compris cette approche intégrée, holistique. Docteur Velasquez, vos dernières réflexions avant que nous retournions en plénière. Oui, donc nous avons la ministre d'Éducation de la République de Cuba. Et cela montre bien l'engagement de notre pays vis-à-vis de cette question, chers collègues. Il faut savoir qu'à Cuba, le droit à l'éducation est un droit qui est consacré dans la Constitution. C'est un droit fondamental et inaliénable. Et on y lit qu'il s'agit de la responsabilité de l'État d'avoir des services d'éducation qui soient gratuits, accessibles et inclusifs, et y compris depuis la toute première enfance. Nous avons pu réaliser un pourcentage de 99,2% de couverture et notre objectif, c'est d'augmenter la qualité des services et nous essayons d'emprunter les voies institutionnelles. Nous avons également le niveau préscolaire et puis il y a les voies non institutionnelles avec les programmes communautaires, dont le programme Educa a tu hijo. Nous avons également la question stratégique de la formation et de la préparation des enseignants.
Nous avons aussi des programmes sur la préparation de la famille, puisque la famille joue un très grand rôle, notamment à cet âge si jeune. Dans notre pays, nous essayons et nous réussissons à intégrer tous les acteurs nécessaires pour ces premières années de vie. Nous apportons aussi une assistance technique et une collaboration entre pays, et nous pouvons réellement partager nos meilleures pratiques et notre expertise en ce qui concerne l'éducation de la petite enfance. Merci beaucoup et merci de nous avoir accordé et d'avoir accordé l'occasion à la ministre de pouvoir intervenir dans cette session. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, vous aussi parlez d'un accès élargi, de la qualité d'une approche intégrée. Merci, merci pour cette contribution. Et je vois également dans le chat une contribution importante de l'OIT avec une initiative qui viserait à rassembler les travailleurs de l'EPPE. C'est une dimension importante. Nous allons être envoyés à l'autre salle dans peu de temps. Il nous reste une minute. Mais vous souhaitez ajouter quelque chose, Abdeljalil? Vous avez la parole. Merci. Oui, merci, Votre Altesse. Je voulais juste partager avec vous donc quelques pistes de réflexion par rapport pour assurer un petit peu le développement et l'éducation de la petite enfance, et pour pouvoir assurer et également mettre les facteurs de réussite de cette implémentation et de déploiement de cette stratégie. Donc, il faut penser à mon sens, trois piliers. Le premier, c'est le portage institutionnel de ces stratégies. C'est-à-dire, au-delà d'un engagement juridique, il faut qu'il y ait un cadre législatif. Tel est le cas au Maroc. Donc, on a pensé à une loi cadre qui essaye de couler les orientations stratégiques par rapport aux finalités, par rapport aux objectifs stratégiques du développement, les ODD. Et puis également, penser à une stratégie multisectorielle. C'est-à-dire, même s'il y a plusieurs ministères qui gèrent un petit peu d'une manière cloisonnée les secteurs, que ce soit éducation, santé, il faut penser à une stratégie multisectorielle et qui couvre un petit peu l'ensemble de ces finalités. Il faut qu'il y ait un alignement de l'ensemble dans une stratégie globale. Donc, troisième pilier, c'est la question de gouvernance. Également, elle est impérativement lié à la question du financement, assurer un financement pérenne. Donc, je pense que ce sont ces trois piliers qu'il faut mettre l'accent sur eux pour essayer de déployer et puis mettre en place cette stratégie. Merci à vous. Donc, cadre juridique, une approche multisectorielle, la gouvernance et le financement sont des piliers importants. Et enfin, je vais être donc rapportée à l'autre salle, mais j'aimerais dire que ce qui manque ici, ce qui fait défaut, et je le vois dans les Pays-Bas, sur le PE, nous oublions l'importance du développement linguistique. Et c'est un élément clé dans le développement des enfants. C'est un élément clé et souvent les stratégies sont développées d'un point de vue de la santé ou alors d'un point de vue de la pauvreté. Mais pour ce qui est du développement linguistique, c'est un élément catalyseur clé pour le développement des enfants. Donc, une approche intégrée, je pense que cela veut dire que nous devons voir toutes les dimensions du développement des enfants. Nous mettrons en place cette approche multisectorielle et multiministérielle. Je pense que nous allons revenir à notre premier Zoom dans une minute. Si vous souhaitez dire quelque chose, en sachant que vous pourrez peut-être être interrompu, vous pouvez prendre la parole. Est-ce que quelqu'un souhaite... Ah, nous sommes de retour en plénière, donc je pense... Nous sommes de retour. Vous êtes de retour. Formidable. Lauren, vous étiez cachée. Vous écoutiez cette discussion si riche. Vous avez écouté toutes ces contributions que nous avons eues. Oui, on parle de fertilisation croisée après tout, n'est-ce pas?
D'accord. Je suis de retour. Donc, nous sommes de retour en plénière. If you wish, maybe, Princess, you can start with your session. You are saying that it was votre Altesse, vous pourriez peut-être commencer avec les retours de votre session. Vous avez dit que c'était très enrichissant. Nous pouvons commencer avec ça. Et puis ensuite, je ferai le retour sur notre session où nous avons également eu une discussion enrichissante. Non, je vous propose de faire le contraire, Boren. Je vous propose de commencer et puis ensuite, je vous emboîterai le pas. Je pense que c'est l'ordre qu'il faut. Et ensuite, j'aimerais clôturer la discussion sur le contenu et que nous nous concentrions sur l'engagement, comment mobiliser cette équipe afin que nous puissions partir de cette session avec les étapes à venir. Ma crainte, en effet, c'est que nous en restions au contenu, au fond, et que nous négligions la mise en œuvre. Donc, si vous pourriez, s'il vous plaît, brièvement partager avec nous le contenu de votre délibération. En effet, nous avons eu une discussion très riche sur le contenu, mais aussi sur la mise en œuvre. Et si nous avons essayé de savoir, de déterminer par où commencer si nous commencions nos travaux lundi prochain. Je voudrais faire référence à 5 domaines où nous avons pensé que c'était important d'agir. Certains ont trait au contenu, mais d'autres portent vraiment sur l'action. Le premier aspect trait à des éléments qui doivent être renforcés dans la stratégie. Il s'agit des éléments suivants. D'abord, l'importance du bien-être de l'enfant et la manière dont les différents systèmes, les différentes parties prenantes doivent agir dans l'intérêt du bien-être de l'enfant, de l'apprenant. Cela inclut bien entendu le contexte de la pandémie ainsi que la reconstruction, le relèvement. Et puis il y a le deuxième aspect qui est présent dans la stratégie certes, mais qui pourrait se voir ajusté davantage. Il s'agit de la numérisation et des technologies. Mais si nous nous penchons sur la technologie de manière très large, cela implique les environnements à haute technologie, mais également les environnements low-tech, car en effet, il faut vraiment associer ces technologies afin de pouvoir atteindre, toucher les plus marginalisés. La troisième partie porte sur le contenu, mais nous amène quelque peu à la mise en œuvre. Ce secteur, bien entendu, implique de nombreux acteurs, les ONG, la sphère privée, la sphère publique, bien entendu. La réglementation est élevée, l'assurance qualité est assurée, mais il faut avancer dans la professionnalisation des personnels. C'est très important. Et le groupe a estimé que, bien entendu, ce sont les autorités nationales et les parties prenantes nationales qui travaillent, mais doivent comprendre qu'il s'agit également d'une question internationale. Il y a une mission, une vocation pour l'enseignant, les éducateurs et le corps éducatif. Et voilà ce que nous avons pensé comme action. Il faut que dès lundi matin, nous commencions à travailler là-dessus, si nous devions commencer la semaine prochaine. Et puis un autre aspect qui est également dans la stratégie et qu'il faudrait développer plus avant, si nous souhaitons que cette stratégie réussisse, elle doit pouvoir être ouverte au grand public. Elle doit toucher toutes les parties prenantes, tous les acteurs et le grand public. Dans le groupe, nous pensons que la sensibilisation à l'EPE est importante,
C'est ce qui va également assurer une volonté politique au plus haut niveau. Et la décennie peut justement représenter cet angle de mobilisation pour les pays. Enfin, il y avait la question du partage des connaissances, de l'édification des connaissances et de veiller à ce que les connaissances existantes de par le monde avec les recherches et autres, eh bien, nous devons veiller à ce que tout ceci puisse être documenté, compilé et partagé avec tous les États membres. Et puis, il y a une proposition dans la stratégie sur l'établissement d'un centre d'information. Alors, il est important que nous ne créons rien de nouveau. Et nous avons d'ailleurs des éléments qui émanent de l'ECDAN, du réseau ECDAN, ainsi que de d'autres collègues. Il s'agirait donc d'avoir un centre d'information international qui agirait comme une plateforme de partage. Voilà, donc nous avons touché à la question de la mise en œuvre, donc j'espère que nous pourrons rebondir là-dessus tout à l'heure. Bon, il est difficile de faire mieux. La concurrence est rude, mais je vais pour ma part présenter quelques points saillants de notre discussion qui vont sans doute pour une partie faire doublon et pour une autre partie agir en complémentarité. Alors, nous avons parlé du contexte de la crise et nous avons dit qu'il fallait faire cette collecte des données et nous pouvons commencer dès demain. Donc, des données auprès des professionnels, mais aussi voir combien de centres ont été fermés et utiliser cela pour faire une analyse des lacunes. Et puis, nous avons beaucoup parlé de la volonté politique, de l'engagement politique en France, et c'est intéressant. Depuis de nombreuses années maintenant, un langage partagé et commun a été établi dans le domaine de la petite enfance, mais aussi d'un point de vue interministériel. Il y a un lien qui a été établi avec les dimensions sociales, les questions de la pauvreté, de l'isolement social. Le cadre a donc été élargi de ce point de vue. Et après la situation de la COVID, bien entendu, la pauvreté sera présente dans nos esprits à tous. Et donc, cette expérience-là est intéressante à cet égard. Nous avons également eu un commentaire sur les particularités des pays à revenus faibles et a insisté sur la question de l'équité, son importance. Les compétences parentales ont également été évoquées dans nombre d'interventions. L'UNICEF, et encore une fois, il ne s'agit pas d'une synthèse ou d'un résumé, mais quelques éléments. L'UNICEF a parlé de l'importance de l'allocation financière au niveau national, mais aussi au niveau des agences. Donc la question de du financement, de l'affectation des fonds, c'est important. Et puis sur le contenu, nous avons parlé de la famille comme d'un ensemble et d'avoir une approche intégrée. Et cela a fait le lien avec un commentaire important de l'OIT qui nous a rappelé de ne pas oublier les travailleurs et la dimension des travailleurs dans le personnel éducatif. Et c'est intéressant d'intégrer tout cela. Puis nous avons eu une intervention très intéressante de la ministre de l'Éducation de Cuba, au nom de la ministre de l'Éducation de Cuba, qui a mis l'accent sur la qualité, sur un accès élargi. Enfin, nous nous sommes penchés sur le cadre juridique, une approche multisectorielle, c'était le fil rouge de notre discussion, ainsi que la gouvernance et le financement. Donc, pour notre discussion, l'approche multisectorielle est importante et je vais utiliser mon pouvoir de président pour dire que à la fin,
j'ai rappelé que l'importance du développement linguistique comme force de catalyseur souvent fait défaut dans les stratégies et c'est une lacune que nous devrions aborder dans notre stratégie. Cela n'a pas émané du groupe, mais de moi-même en tant que participante. Et je vous le dis en toute transparence. On peut peut-être ouvrir le débat modéré par Boren et moi-même. J'ai constaté que nous avons terminé d'analyser ce qui doit être fait. À présent, nous allons passer à ce que l'on pense faire pour y arriver, donc les moyens d'y arriver. Plusieurs pays, des pays forts comme Cuba, la Chine, le Canada, la France, entre autres, sont présents parmi nous. Mais il faut quand même garantir que la communauté internationale dans son ensemble nous soutiendra. Je me tourne à présent vers M. Simpson et les autres pour leur demander comment vous allez utiliser votre voix pour assurer l'engagement politique d'autres pays. Qu'allons-nous faire pour construire cette équipe? Est-ce que vous avez des idées? Boren, si quelqu'un lève la main, je ne les vois pas, donc peut-être que nous devrions procéder en duo, comme nous avons l'habitude de le faire, avec plaisir. Qui souhaite s'exprimer en premier sur ces questions? Comment garantir très rapidement le soutien dont nous avons besoin pour mettre en place cette équipe d'action, pour mettre en œuvre la stratégie? Je vois que Mercedes veut s'exprimer. Peut-être qu'on peut lui donner la parole. Merci. J'aimerais vous rappeler notre proposition pour l'approbation de la décennie de l'éducation et la protection de la petite enfance afin d'aider les gouvernements à renforcer leurs actions et à renforcer la définition de politiques publiques efficaces afin de garantir la protection, le développement et la réalisation des jeunes enfants. La proclamation de cette décennie permettra la coordination des actions, permettra également de stimuler les actions publiques, mais aussi la démocratie, la considération, la participation des jeunes enfants, des familles, et des acteurs du milieu éducatif de la petite enfance, les systèmes de santé publique également. L'objectif serait aussi de développer des cadres et des mécanismes qui permettront la construction d'initiatives régionales, locales, nationales, et en définitive, des politiques et des systèmes de protection de la petite enfance globaux pourront être mis en place. Merci. D'accord, j'ai une question à poser, c'est une excellente idée. J'aimerais que tout le monde réagisse à cette proposition, mais j'ai une question à poser d'abord. Est-ce que le terme décennie reflète correctement l'urgence de la situation? J'ai l'impression que ça ressemble à ce qu'on faisait avant la COVID. Est-ce qu'il y a assez d'élan, assez de sentiments d'urgence dans ce terme? Je vois que Madame la ministre Elsa Velasquez de Cuba souhaite s'exprimer. Nous allons lui donner la parole et peut-être que l'on peut commencer à répondre à votre question ensuite. D'accord. Madame la ministre, vous avez la parole. Bonjour, merci de m'avoir donné la parole. Nous sommes d'accord, c'est un thème qui doit recevoir une priorité absolue dans tous les pays du monde. En ce qui concerne votre requête, Cuba souhaite se joindre à cette initiative. Nous allons investir nos ressources les plus importantes depuis la Révolution, c'est-à-dire les ressources humaines que l'on forme depuis. Nous mettons donc à disposition de beaucoup de pays qui en ont besoin un soutien technique et une coopération afin de mettre en œuvre le programme éducatif.
Nous avons déjà de l'expérience dans plusieurs pays du monde, dans différents contextes en matière de PPE pour les enfants les plus vulnérables. Nous échangeons nos expériences, les fonctionnaires sont formés, les documents, les activités télévisées sont disponibles pour montrer comment les familles peuvent élever leurs enfants selon les conditions du foyer. Nous avons une expérience vaste à Cuba en la matière, notamment en ce contexte de pandémie. Nous avons continué à aider tous les enfants par le biais d'activités télévisées pour aider les familles, pour se substituer aux institutions scolaires. Nous avons également une grande expérience de formation d'enseignants par le biais des universités et des écoles pédagogiques. Nous formons un personnel dont nous avons besoin, les enseignants et autres personnels, pour prendre soin de la petite enfance. Nous avons également des diagnostics, des soins et des traitements pour les enfants qui ont des besoins éducatifs spéciaux. Nous orientons les enseignants et les soignants également pour ces besoins spéciaux. Nous avons élaboré des ressources et des bibliographies spécialisées. Et nous mettons ces documents entre les mains des familles, des communautés, afin de contribuer de manière multidisciplinaire aux soins des jeunes enfants. Enfin, je voudrais réitérer ce qu'on a déjà dit à plusieurs reprises au sujet du développement de la langue. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Nous sommes en train d'élaborer un programme de perfectionnement du système éducatif dans le cadre duquel nous allons inclure la petite enfance. Et nous avons défini 5 dimensions qui permettront de développer le perfectionnement du système éducatif. L'une de ces dimensions, c'est justement la communication, qui inclut évidemment le développement de la langue. C'est l'une des tâches à laquelle nous accordons beaucoup d'attention et une grande priorité. Nous soutenons donc tout ce qui a été dit, notamment les conclusions que vous avez résumées. Nous considérons que ce sont des aspects essentiels afin de pouvoir développer la petite enfance et d'assurer un soutien politique à ces actions. La petite enfance, c'est l'avenir de tous les pays, c'est pourquoi il faut absolument lui accorder la priorité. Merci. Merci. Nous avons entendu ce fort engagement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai bien compris que vous vous engagez fortement. Et à nouveau, pour les minutes qui vont suivre, il nous reste 15 minutes avant de clore cette session. Boren, peut-être que vous pouvez expliquer le processus. Que voulez-vous de notre part pour avancer ? Qu'attendez-vous de la part de ce groupe? Merci beaucoup, princesse. Je voudrais dire qu'il y a 3 éléments qui ressortent de nos discussions. On peut commencer par là, dès lundi. D'abord, faire avancer ce que M. Simpson a dit, le mouvement du public, il faut garantir une adhésion plus vaste du public et nous devons commencer à nous pencher sur cette question. Deuxièmement, l'idée de ressources, nous avons plusieurs éléments qui sont fragmentés, qui ne sont pas connectés, qui ne travaillent pas en réseau. Nous sommes une économie de plateforme. Nous sommes dans une économie de plateforme. Il faut réunir tous les éléments afin que nous puissions travailler de manière efficace. Et puis, Monsieur Blanquer a également parlé du cadre juridique, l'importance d'un cadre juridique international pour le PPE. Nous essayons de développer des instruments et un cadre international. Et pour la marche à suivre, Madame Giannini va faire quelques remarques de clôture, mais je voudrais parler des actions qui vont être lancées. D'abord, il faut finaliser la stratégie et
affiner certains éléments. Émilie et d'autres collègues sont parmi nous et ils ont entendu vos remarques, ils ont écouté avec attention. Je crois que la stratégie fait l'objet d'une adhésion assez globale. Il faut plus de précision néanmoins sur quelques éléments. Ensuite, tous les États membres recevront la stratégie ainsi que les parties prenantes pour adopter cette stratégie. Deuxièmement, les modalités de mise en œuvre. C'est une partie du travail qui exigera plus de discussion. Je crois que nous devrions monter une équipe qui dirigera la mise en œuvre de la stratégie. C'est une idée assez acceptée, mais toutes les parties prenantes doivent contribuer pour que une agence ne soit pas entièrement responsable de la mise en œuvre et les autres agences ne doivent pas disparaître. Il faut que tout le monde s'investisse et coopère dans la mise en œuvre de cette stratégie. Et enfin, nous avons besoin de moyens, de ressources afin d'avancer. Les ressources et les plans par pays, les ressources nationales et internationales sont nécessaires, mais il faut également des fonds catalyseurs afin que la stratégie puisse recevoir les financements nécessaires. Il faudra travailler sur cette question et on commencera dès lundi matin. Merci. Je voudrais simplement dire quelques mots avant de donner la parole à Stefania à nouveau, qui clôra cette réunion. Je crois effectivement que le processus est en bonne voie. Soyons honnêtes, je crois que les trois points que Boren a mentionnés sont les conditions du succès. Nous l'avons tous constaté. Si on n'associe pas ces trois éléments et si on ne met pas en place cette équipe d'action, alors nous risquons de retomber dans de vieilles habitudes. Et c'est la différence, c'est la spécificité de ce processus qui a été élaboré par l'UNESCO avec Stefania et Boren qui font un travail remarquable. Je crois que c'est la seule raison pour laquelle je m'engage envers ce processus, c'est parce que j'y crois. Je crois que nous en arrivons à la deuxième étape et je suis ravie de dire que dès lundi, nous allons continuer nos travaux, communiquer avec les États membres. Ce n'est peut-être pas une réunion, une discussion qui a sa place ici, c'est plutôt une discussion de suivi, mais il faut des ressources pour mettre en place cette équipe d'action. Il faut lancer les actions mentionnées dans la stratégie, sans quoi on n'avancera pas. Et je pense que l'idée d'une étiquette, vous avez dit que vous ne vouliez pas en rester au niveau politique, vous vouliez que le public soit sensibilisé avec une campagne de sensibilisation. Il faut investir dans la petite enfance maintenant pour éviter une crise d'ici 20 ans. La France a parlé de l'importance de la petite enfance également. Donc, cet accès à l'engagement du public est essentiel. Il faut une approche holistique et c'est vraiment la grande conclusion de nos travaux. Je ne sais pas si je dois donner la parole à d'autres intervenants. Il nous reste quelques minutes, mais j'aimerais vous inviter à vous exprimer sur le chat pendant les quelques minutes qui nous restent pour partager les pistes pour la suite. Et puis ensuite, je donne la parole à Stefania qui va clore cette session. Merci. Merci beaucoup, Votre Altesse. Merci à vous tous, chers ministres et collègues. J'ai beaucoup de notes. C'était une discussion très intéressante. Ce n'était pas une discussion universitaire, même si je suis une ancienne professeure, donc j'apprécie beaucoup les discussions universitaires, mais cette discussion était vraiment tournée vers l'action. Il s'agissait vraiment de se tourner vers
la finalisation du processus qui est en cours. Boren. N'a pas dit ce qu'il a dit au hasard. Effectivement, il faut une approche axée sur des missions, il faut une vision claire des prochaines étapes, il faut quantifier ces missions, il faut prendre les devants pour la coordination, mais ce n'est pas une initiative de l'UNESCO uniquement. L'UNESCO rassemble cette coalition. C'est la coalition mondiale qui dirige cette initiative. Cette coalition mondiale fonctionne très bien. Nous avons lancé cette initiative avec la COVID-19 et je crois que c'est une initiative couronnée de succès. La princesse Laurentine et d'autres collègues ont parlé de la collecte de données pour mesurer l'impact de la crise sur le PPE. C'est un bon début, afin de mobiliser le public, sensibiliser les populations et puis garantir la volonté politique que nous avons bien entendu. Certains pays s'engagent dès maintenant fortement à agir. Pour parler des prochaines étapes, je vais brièvement expliquer ce que j'en pense. Nous avons entendu des manifestations de volonté politique de haut niveau. Il faut mobiliser des ressources significatives pour ce secteur. Il faut quantifier les besoins des communautés. Par exemple, je vois que la France a déjà investi 100 millions pour cette stratégie au niveau national. Notre objectif doit donc être clairement défini et son coût quantifié. Deuxièmement, j'ai entendu parler d'une approche multisectorielle, intégrée, bien coordonnée. Je crois que nous devrions ranger ça du côté de la finalisation de la stratégie. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'éducation, de santé ou de travail ou de responsabilité. Non, il s'agit d'une approche holistique qui réunisse tous ces paramètres. Et puis, troisièmement, élément décisif, l'équité. Il faut absolument se tourner vers les enfants les plus marginalisés et traduire cette intention en propositions concrètes. Comment atteindre les plus marginalisés? Le développement du langage est également très important. Je voudrais l'ajouter aux propositions, Votre Altesse, puisque je crois que c'est l'une des dimensions les plus complexes du développement cognitif dans son ensemble. Et c'est une proposition concrète que nous pouvons ajouter à la stratégie. Pour revenir aux trois éléments dégagés déjà par Boren, donc finaliser la stratégie, c'est une mission que nous pouvons coordonner avec l'aide de nos partenaires dans les jours qui suivent. Deuxièmement, établir l'équipe d'action pour des résultats. Et je voudrais dire que cette équipe ne devrait pas uniquement être hébergée par l'UNESCO. Ce devrait être une équipe mobile qui sera hébergée par différents partenaires qui se sont engagés envers la stratégie. L'OCDE, l'OIT, l'OMS, selon les aspects de la stratégie qui seront développés. Et puis, comme je le dis dès le début, c'est mon dernier point, il ne s'agit pas tant de demander quelque chose de différent par rapport à la grande campagne pour l'éducation qui a déjà été lancée l'année dernière. Il s'agit plutôt de se concentrer sur sept éléments de la campagne. Et c'est très important de comprendre cette distinction. Par exemple, en juillet,
le renouvellement du partenariat mondial pour l'éducation aura lieu. Vous savez que la stratégie du partenariat mondial porte sur l'apprentissage de base et l'éducation de base. Et le PPE fait partie de cette éducation de base et de la stratégie du GPE. Il s'agit donc de donner au GPE des données et de pouvoir quantifier les besoins du développement de l'OPPE dans les mois qui suivront. Je vois que ce processus fait partie de la réponse à la COVID, mais on se tourne également vers l'avenir et la réalisation de l'ODD4 et le plan d'action d'accélération. C'est très important. Je vous remercie tout particulièrement vous, princesse Laurentine, pour votre engagement et votre réflexion stratégique. C'est très important. Merci. Très bientôt, nous restons en contact et nous commençons nos travaux lundi. Au revoir. Thank you all of you. Adios, ministra. Muchísimas gracias. Bye, Minister Simpson, and all of you. Bye-bye. Thank you, everyone. Take care.